Mesdames, Messieurs, bonsoir. VOA Creole depuis Washington DC. Content une autre fois encore avec vous. Pour premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Aujourd'hui, c'est lundi 30 septembre 2024. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Quelque grand point, cap dominé, actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, Conseil de sécurité des Nations Unies a voté jeudi lundi 30 septembre 2024 là avec tout membre sans manquer yon pour renouveler mandat mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti MMAS. Actualité électorale américaine, premier débat entre deux candidats pour vice-président démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance a déroulé demain mardi 1er octobre là dans New York. États-Unis toujours plus passé 100 moun mouri et 600 l'autre pas répondre à l'appel après passage cyclone Helene qui fait dégâts tout dans le pays Mexique. Leader Hezbollah dans Liban s'est monté pour continuer goumen et parer pour une invasion terrestre la mais Israël après assassinat leader Yoa Hassan Nasrallah. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. C'est Point Sayo avec l'autre encore. Nous allons développer pour vous. Gros nouvelle là, concernant le pays d'Haïti. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui votait jeudi lundi 30 septembre 2024 là, avec tout membre, ça a à l'unanimité, sans manquer yon, pour renouveler mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, MMAS. Nous avons des détails avec Valérie Saint-Louis depuis New York. Le résultat du scrutin est le suivant. Le projet de résolution a bénéficié de 15 votes pour. Le projet de résolution a donc été adopté à l'unanimité. Conseil sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité, qui veut dire que tous les 15 pays membres conseil là voté en faveur renouvellement mission force MMAS là en Haïti pour une période de 1 an jusqu'à date de octobre 2025 là. C'est matin lundi 30 septembre ça que vote sur résolution 2771 l'an passé en présence représentant pays Kenya, Jamaïque et Haïti. Vote ça a fini pendant que sous demande président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils qui pendant 79e Assemblée générale Nations Unies, t'es demandé pour que force MMAS là t'est transformé en une force mission Nations Unies pour la paix. You demande que Conseil de sécurité Nations Unies a dit que le pral travail sous lit, mais déjà deux pays membres conseil là, pays la Chine et pays la Russie, dit que pas supporter démarche ça. Après vote là, plusieurs pays membres conseil là t'es prend la parole. Parmi eux, ambassadeur pays États-Unis Linda Thomas Greenfield qui t'est félicité conseil là pour vote ça à l'unanimité. Elle t'a ajouté que tu as supposé prendre plus de sanctions toujours contre monde qui a supporté gang et violence dans pays. Ce vote fait fond sur les nouvelles annonces de sanctions, d'inscription sur la liste des sanctions contre Haïti. Nous demandons au comité de sanctions de nous aider tout simplement à lutter contre ceux qui sont responsables de la violence des bandes organisées. Ambassadeur d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, t'es parlé pour remercier pays membre Conseil Sécurité pour votre renouvellement force MMAS là. Mais il précisait que situation et sécurité a continué et police nationale a besoin plus support toujours. La violence des gangs continue de déchirer le tissu social et les violations des droits de l'homme se multiplient, plongeant des milliers de familles dans la détresse. L'insécurité est omniprésente, paralysant l'économie, minant les institutions et alimentant la peur parmi la population. Bon côté Pali, représentant pays Kenya, ambassadeur et qui t'allait localé. T'es parlé pour dire que pour force MMAS là capable continuer de travailler en Haïti, faut effectif total 2500 personnels police là t'arriver au complet le plus vite que possible. La MMAS doit rapidement parvenir au déploiement intégral envisagé de 2500 personnes et ce par rapport aux 410 officiers actuels. N'a pas rappelé que pays Kenya promet puis envoyer dans semaine qui vient là 300 personnels police. Et dans fin mois novembre, il y a l'autre 300 personnels police, ça qui pral totaliser 1000 personnels force MMAS là, que pays Kenya te promet pour le voyer en Haïti. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio. Réaction déjà sortie dans le pays d'Haïti sous vote qui prend dans le Conseil de sécurité sous renouvellement MMAS là. Correspondant nous, on a tout simplement parlé avec ancien colonel Himmler Rebu. Après Conseil de sécurité des Nations Unies a fin prolongé lundi 30 septembre 2024 la mandat mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour une autre année encore, eh bien, ça a déjà provoqué réaction bon côté ancien colonel Himmler Rebu qui dit démarche ça a pas changé en rien par rapport à problème et sécurité. Nous pas capable de résultat ça là mal monté. Ouais, par exemple, y a déployé Kenya. C'est pas comme ça déploiement fait. J'ai fait déploiement Kenya, le ou a fait déploiement ou préparer toute bagaille, le ou fait. Premièrement,
Deuxièmement, Kenya, bon, erreur technique là-dedans qu'ils n'ont pas capable de corriger. Parce qu'ils mettaient commandement force ça sous une structure policière. Or, bon, pile aspect d'un problème, non, qui est des problèmes militaires. Pas jamais gain une troupe militaire qui a rentré en bas commandement, une troupe, un commandant de police. Dans la hiérarchie, quoi, l'armée passait avant la police. L'armée capable d'entreprendre des actions et distribuer des tâches pour la police. La police pas capable de déterminer action l'armée. Yo pas même bagaille. Sous tribune, Nations Unies, dans 79e Assemblée Générale, là, président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, t'a souhaité force multinationale, là, transformer à yon mission la paix l'ONU, pendant reconnaître gage fort qui commençait fait pour rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Pendant ce temps, certains spécialistes dans le domaine sécurité croient qu'il faut gagner une instance stratégique qui crée pour régulariser la situation sécuritaire en Haïti. Où est-ce que tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Toujours concernant le pays d'Haïti, délégation haïtienne qui était participée dans la 79e session Assemblée générale Nations Unies dans New York retournait dans le pays d'Haïti, spécialement président KPTA Edgar Leblanc qui tournait hier dimanche là. N'a pour nous tourner sous ça, mais en attendant, il y a correspondant dans New York, Gloria Nelson, qui parlait à quelques membres dans la communauté haïtienne sous passage responsable haïtien yo dans l'ONU. Gloria 79e Assemblée générale Nations Unies a déroulé dans New York semaine qui s'est passée hein, sorti 22 pour arriver 30 septembre 2024 là. Haïti a participé dans événement si là. Après participation haïtienne là, nous parler avec quelques citoyens en Brooklyn qui au même a dit nous qui gens comprendre participation Haïti. Hein. Dans la situation politique pays d'Haïti à aujourd'hui a tout espace qui offre une forme de vitrine quelconque pour dire difficulté pour dire problème la traverser, c'est un bail qui est positif. Dans ce sens, ça, présence quelques dirigeants, bon, même si de facto, dans, haïtien dans les Nations Unies, hein, c'est peut-être une occasion pour te dire, on a le monde entier, ça Haïti a vécu le jour d'hier là. Et ça, Haïti a passé, ce n'est pas un problème qui est potentiel. Je pense que il y a un pile de bagaille qui a un rapport avec le besoin du pays qui est parlé, où le pays a été rempli et dans l'histoire, un pile de peuple dans l'Amérique latine, et même côté de vivre là, aux États-Unis. Ça veut dire que ça va là. Je pense que ça, yo, chaque fois que nous avons une occasion pour nous faire songer, c'est pour nous faire songer une façon pour que, au moins, gon conscience qu'après pour regarder Haïti dans l'autre lunette. Discours était on point, discours était à dans l'heure que discours a prononcé à un moment que le prononcé à était nécessaire parce que nous n'ont carrefour côté que le pays où gagnait intervention militaire qui fait faut gagner gouvernement obligé nationaliste. Haïtien Silayo qui majoritairement satisfait de représentation Haïti dans 79e Assemblée générale de l'ONU, hein. Yo quoi que discours président conseil transitoire li te bay sous tribune de l'ONU, hein, li reflété réalité que haïtien a vivre souterrain en Haïti. Moi relé Glorieuse Nelson depuis Brooklyn, New York pour VOA Creole. Merci Glorieuse depuis New York. C'est une belle journée dans Washington jeudi lundi. Mais il y a un mauvais temps plusieurs côtés ici aux États-Unis et même dans le pays Mexique avec cyclone Helene. N'a pas bien pour nous retourner talent comme ça avec une mise à jour était branché.
VOA Creole a permis depuis Washington DC plus passer 100 moun mouri ak 600 lot qui pas répondre à l'appel seulement aux États-Unis après passage cyclone Helene qui fait dégâts tout dans pays Mexique. Yon mise à jour ak Serge François Michel. Yes, it's tragic. Matter of fact, we're trying to get. Président Joe Biden qualifiait passage cyclone Helene comme un événement tragique. Il dit, moi ici là, comme dit tout le monde qui échappait en bas cyclone là, dans zone les touchés, ok, nous pour aller dehors, tout autant ça nécessaire. Pour bien nous, à bien famille nous, moi demandé qu'on y là, tout le monde qui tournait dans la communauté et qui tournait la caille, pour écouter l'autorité locale et suivre toutes consignes de sécurité. Prends ça au sérieux. Président Biden te parlé avec journaliste avant de monter à bord Air Force One, hier dimanche 29 septembre. Et il te dit que quelques équipes FEMA déjà souterrain en Floride. Biden t'a attiré attention sur différences qui gagnent entre évaluation autorité locale et pas agence fédérale. Et il décrit dévastation comme quoi ça baille gros saisissement. Il assurance que le gouvernement fédéral là t'a déployé bon genre de ressources d'avance, même plus parce que ça autorité locale t'a demandé. L'appli à gros inondation et l'antipoté était coupé courant des millions de cailles, détruit route à pont et la cause catastrophe, sorti Floride pour arriver Virginie. Tempête là la cause 119 morts pour Pipiti. D'après autorité d'un niveau local, la clôture d'un niveau État, dans Caroline du Sud, Floride, Georgia, Caroline du Nord et Virginie. Autorité Ukraine, pour pas découvrir plus de cadavres dans sept États. Estimation dépassée au bail que dégâts arrivés d'un niveau 15 milliards d'après autorité locale, avec plus passé 100 milliards d'après compagnie assurance et technicien météo. Pour un chiffre qui est plus exact sur les dégâts et pète dans l'économie, les autorités finissent faire évaluation. Serge François Michel, VOA Creole. Fondi que président Joe Biden te prend la parole et yon l'autre fois encore par rapport à cyclone et puis te gain ancien président Donald Trump qui lui-même fait déplacement côté tout que dit que dans moment ça pas gain politique c'est porter secours à moun qui besoin. Actualité internationale, leader Hezbollah dans Liban cimenté pour yo continuer goumen et paré pour yon invasion terrestre l'armée Israël après leader Yoa qui mouri à San Nasrallah. Gentil Augustin Junior gain détail. Nous prenons faire face à toute possibilité. Et puis, nous parons si l'armée Israël là décide de lancer une invasion dans le Liban. Parce que force résistance paraît pour combat sous terrain. Leader adjoint Hezbollah, Naïm Kassem, dit groupe là pral continuer goumen ak Israël dans support Gaza ak nan défense Liban. Dans premier discours li après assassinat leader Hassan Nasrallah dans site Beyrouth. Alors que ministre affaires étrangères Iran dit Iran pas pral déployer aucune force dans Liban ou soit Gaza pour faire face à Israël parce que attaque là mais Israël là visé allié lion dans région. Gouvernement Liban et Palestine gen capacité et force pour yo défendre tête yo contre agression régime sioniste. Et puis pas gen aucune nécessité pour voyer force additionnelle ou soit volontaire République islamique Iran. Président américain Joe Biden, bon côté parle, dit conflit régional dans Moyen-Orient doit éviter. Biden dit tout, li pral parle avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Yon journaliste demande, est-ce que yo ka éviter la guerre dans Moyen-Orient? Président répond. Li doué, nous vraiment besoin éviter li. Nous t'ai déjà pris précaution dans ambassade nou yo, ak employé nou yo qui vle aller. Mais nous poko la, mais tout nous ap travay tant kou l'enfer ak français yo ak en pile l'autre monde. Pour premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'armée Israël là a continué frapper ennemi yo. Nous déterminés pour nous continuer frapper ennemi nou yo. Plusieurs milliers moun manifesté dans ville à travers Pakistan après groupe Hezbollah qui appuyé Iran te confirmé la mort leader Hezbollah. Jeudi lundi 30 septembre, manifestants israéliens rassemblés tout près kay premier ministre Benjamin Netanyahu pour mander un accord pour boucantage otage yo. Pendant que la police ak sécurité yo bloqué route de yo Kailan. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington.
Actualité électorale américaine, premier débat entre deux candidats pour vice-président. On a parlé de Tim Walz et républicain J.D. Vance. A déroulé demain, mardi 1er octobre, à New York. Jean-Robert Philippe. Candidat pour poste vice-président parti républicain, sénateur Ohio J.D. Vance, a partagé le principal message que l'Ipral mettait devant électeur pendant le débat mardi 1er octobre face à rival démocrate Lia Tim Walz, qui s'est gouverneur État Minnesota. The candidacy... The team of substance, déclaré, the team that actually has a record that, dossier that we're proud of instead of running away from, et que li pa éviter parler de li. Li di équipe qui gagne yon plan kounia, c'est équipe Trump Vance la. Député républicain Tom Hammer, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, a aidé sénateur Ohio à préparer débat cap dure 90 minutes et cap retransmettre sur chaîne télévision CBS. Parlementaire a déclaré candidat pour poste vice-président capable de parler de l'économie, Donald Trump est remembré et que Harris Biden est démantibilé. Il est capable de parler tout de frontières États-Unis-Mexique que Trump est corrigé et que l'équipe démocrate a crasé en miettes morceaux. Une fois qu'il comprend, Tim Walz pourra chercher essayer d'éviter de répondre pour aborder des questions qui intéressent plutôt. Il pourra le rendre responsable. Rival démocrate là, gouverneur État Minnesota Tim Walz a préparé sérieusement pour débat avec un message pour électeurs cap centré sur importance élection 5 novembre. Non. It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years. Candidat a déclaré tout bagage sous table là, pas seulement pour 4 prochaines années yo, mais pour 40 prochaines années qui viennent là yo. Vince Kamba pression pour le dire si, comme président, Trump a signé une interdiction contre dilatation, les grossesses l'arrivée dans un petit bout de temps seulement, interdiction qui est valable pour tout le pays. Droit pour mesdames et faire petite, c'est une parmi les sujets qui plus important pour candidat pour poste vice-président Parti démocrate là, le lap attaqué rival républicain J.D. Vance. Ça, c'est d'après John Mark Hansen, professeur de sciences politiques dans l'Université de Chicago, qui t'a parlé avec la Voix d'Amérique sur Skype. Débats ont toujours conservé pour faire spectacle, au lieu pour gagner une bonne analyse solide. Dans en pile fois, candidats ont passé sous côté questions modérateurs et parlé plutôt sous questions qui intéressaient. Et les faits qui ont suivi le débat mardi 1er octobre, capable de gagner une idée pour connaître si candidat de parti pour poste vice-président senti à l'aise, les a répondu à question modérateur. Et comme ça, il est capable de prendre une bonne décision, les a jeté bulletin dans l'élection 5 novembre. Véronica Baldera, c'est Grécia, c'est écrit ça pour Voix de l'Amérique. Et moi-même, Jean-Aubert Philippe, t'es adapté pour VOA Creole dans Washington DC. Nous remercions tout le monde qui branché plus nouvelles dans un petit moment. Pour toujours sauver VOA Creole, n'a pas mettre depuis capitale fédérale États-Unis en Washington, actualité à dans pays d'Haïti, président KPTA Edgar Leblanc fils mandé gang pour déposer zamyo pour faciliter tout élève prend chemin l'école. Il fait déclaration ça week-end là dans salon diplomatique aéroport Toussaint l'ouverture là après participation dans 79e Assemblée générale Nations Unies. Yves Manuel. C'est à dimanche 29 septembre 2024 là, président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils rentré dans le pays d'Haïti après avoir participé dans 79e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Pendant l'arrivée dans l'aéroport international Toussaint Louverture, il était joint un gros accueil beau côté délégation gouvernementale qui la donne Premier ministre Guy Conny avec ministre Affaires étrangères et culture Dominique Dupuis. Pendant une conférence pour la presse dans salon diplomatique là, monsieur Leblanc fils partageait moment qui marquait discours li dans tribune Nations Unies et puis tout rencontre bilatérale avec multinationale li réalisé en marge événement ça. Aux Nations Unies à l'Assemblée générale, le nous pouti la parole, nous t'a pensé à deux bagages. Premièrement, a fait le monde entier connaît que nous dans situation difficile, solidarité en important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminés, nous prêts a fait ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, nous avons mis les leaders, les autorités pour que nous soyons capables de faire ça, nous capables de résoudre le problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous ne sommes pas privés pour compte nous, nous demandons solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect.
Conseil présidentiel transition à gouvernement républicain, c'est une seule entité dans l'État qui a servi nation, selon Edgar Leblanc-Fils, qui coupe coup à toute information qui a fait quoi deux entités ça a divisé. Président Leblanc également lancé un appel à gang armé côté l'exhorté pour déposer les armes, une façon pour permettre population haïtienne de retrouver la paix et la tranquillité espérée depuis longtemps. À tout bandit, tout nèg qui armé, comprendre sa capacité, comprendre que le peuple a besoin pour le prendre ou sauf pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, nous avons fait tout pour que la sécurité rétablisse dans le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec profondeur par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont dans une mauvaise route, rentrer dans la route, déposer les armes. Map Dila, map campé. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Président Conseil présidentiel transition, yon l'autre fois encore, exprimé engagement pour unir toute force qui est nécessaire pour sortir pays dans l'impasse. L'y trouver là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves. En parlant de réouverture l'école, nous pourrons rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, surtout avec Moun, qui court quitter la caillou, qui a pris refuge dans l'école. Pour réouverture scolaire année académique 2024-2025 là, gouvernement haïtien avec quelques partenaires dans international là mettait campé programme relocalisation déplacés internes yo. Un programme qui permet déplacer yo quitter espace l'école yo. Dans une visite li fait dans plusieurs écoles qui gien PDI yo, ministre chargé d'affaires solidarité et humanitaire monsieur Erwil Gaspar fait qu'on ait environ 10 écoles dans région métropolitaine qui déjà libéré dans quatre programmes si là. Accompagnement que gouvernement a bay moun pour déplacer, donc font accompagnement qui discute et négocie même capable dire ensemble avec responsable de chaque site de déplacer qui gagne là et également et discuter avec des partenaires internationaux qui généralement impliqués dans et relocalisation et moun. Donc font accompagnement monétaire que n'a gagne pour nous bay pendant et tout processus de déplacement à chaque PDI. Quelqu'un déplacé qui réagit sous des machins pleins pour quantité l'argent responsable promet y a bail pour libérer espace yo dit qui pas capable répondre à besoin yo le prévoir dans nous 68000 goud mais aussi un sous papier à 50000 goud pour caille là reste blanc a vu le ballon sous compte locataire lui même ça veut faire avec reste blanc pour le faire des moun qui gagne 3-4 petites des moun qui gagne 4-5 petites imaginez les nous bail moun 50000 goud nous dit moun là enfermé caille. Et quand il porte au prince Kounia là, il chie en pile. Et quand nous conjoint tout, nous capable dire c'est un petit dépôt ça. Pour un homme qui vit 4 mois, parce que 4 mois de vie aussi, on a eu un beau jambre les mons à eux. Et mettre Kayla, mettre mons à eux. Chaque monde qui prend mettre Kayla, bien contre mettre Kayla obligé. Il ne veut pas faire mettre Kayla avec le monde parce que c'est business qu'il a fait. Cependant, le gouvernement en place a toujours qu'imbé 1er octobre là comme date officielle pour réouverture année académique 2024-2025 là. Même si majorité de l'école, l'État, a toujours servi comme abri provisoire pour des milliers de familles qui, jusqu'à présent, n'ont pas retourné la caillou. Nous remercions tous les amis, internautes et téléspectateurs qui font nous confiance pour nous porter bonnes gens nouvelles, que nous avons fait confiance. Nous sommes VOA Creole, c'est nous qui avons fait ça. Ou sous VOA Creole, lundi 30 septembre 2024, Obed Lamy a mené nous dans la ville Springfield, dans l'État Ohio, avec histoire yon photographe haïtien qui tourne journée jodi a yon entrepreneur. Journée yon a défilé dans Springfield, mais yon pas dit tout semblé pour James. Yon jour ou ka joigné à travail dans Amazon comme électromécanicien, matin c'est dans studio ça, le vin faire photo pour yon client. Ça a environ 5 années depuis James Denis te fait paquet li quitter Florida pour entrer Springfield, Ohio, côté la vie avec madame et des petites li. Raison qui te poussé le faire choix ça, pas vraiment différent parce que pas environ 15 autres mille haïtiens qui installé dans zone là. Moi vinn Ohio parce que travaille en tant que technicien ou touché plus bien. Yo paye deux fois, trois fois plus que sorti qu'à toucher Florida. Mais faire business photo pas de jambe dans plan James. D'ailleurs, il pas ta apprendre photographie sous ban l'école. Jean lui raconte histoire. Où t'as dit ce destin qui mène dans le métier ça? Moi j'ai commencé pour me acheter une caméra pour me faire un podcast. Donc moi j'ai vu la nécessité que si tu as besoin d'un photographe, pas de vraiment bagaille ça. Et moi j'ai toujours à contacter blanc pour faire photo pour eux. Donc moi j'ai dit ok puisque j'ai une caméra là, pour que ça moi pas essayer d'apprendre
comment moi capable faire photo. 20 fois son métier a, James s'est continué à améliorer et plus monde tombé à contacter. C'est comme ça qu'il vient créer business ça qui est James Studio. Ça gagne environ 2 l'année. James dit qu'il a fait environ 20 contrats photo chaque mois. Ah, ici on fait petit appel. Donc maternité c'est une na plus photo nous fait, mais birthday tout. Donc c'est deux ça qui priorité communauté a. Après ça quelques mariages nous fait. Récemment, tu as un haïtien qui t'est marié en blanc, nous t'a fait photo dans mariage là. Succès business là pour James, pas seulement mesuré sous quantité de photos les capter avec l'argent les rentrer. Gagne un impact culturel qui est important tout. Donc changement l'hypothèse c'est que mon n'a pas besoin les à penser de photos et yo penser avec un blanc. Mais avec une situation tension qu'a mangon école dans zone là, depuis l'ancien président Donald Trump t'a répété bien fort, accusation qui dit haïtien t'a mangé bête résident yo. Qui a venu business photo James là gagne dans Springfield. Moi je viens ici pour faire business et investir dans plusieurs bagages et puis tout ouais c'est comme ça cité à venir. Moi-même pas voulais quitter cité à mais les paraît anti gens fait peur. Au bed l'ami, pouvez voir créole depuis Springfield, Ohio. Mesdames, Messieurs, c'est là que nous avons fait dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous pas c'est Jacqueline Belizer qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain. Bonsoir tout le monde. Belizer et où est ça qui est comme information? Mes amis, commencez à faire un peu de plein. Puisque, attente président conseil transition, attente autorité. Dans le plus haut niveau dans l'État, c'était ouais que Conseil sécurité des Nations Unies, puis il a voté, accepté pour transformer mission multinationale soutien sécurité à Haïti en une mission onusienne. Ok? En mission onusienne. Et voilà que nouvelle a tombé. Bon, qui pas étonné. Et qui pas étonné en pile monde. Qui pas étonné et qui pas étonné en pile monde. Le fait que yo apprendre étendé c'est renouveler, yo renouveler. OK. C'est renouveler mandat minus et mission. États-Unis à l'école fait bac. La Chine et la Russie campé en mettre béton, GDG béton. Pour dire que pas question que yo transforme mission ça en une mission onusienne. Qui ça pral passer? Qui ça qui pourrait arriver? Le fait que Conseil sécurité il y a pas voté pour transformation mission ça. Et avec qui ça pour nous attendre? Les que Edgar Leblanc fils président conseil transition. PM Gary Conille. Yo tout ensemble montre que mission multinationale soutien sécurité à Haïti pourquoi ou dis-moi ce que effectif nous est là quantité matérielle que nous est là yo poko capable bay résultat ou dis-moi ce que livrer marchandise non oui.
Et laissez-moi dire avec chaque grain d'ami qui a gardé captain de nous là. Laissez-moi dire que pays d'Haïti, peuple haïtien, il a laissé chance que le pas gagné. C'est chance que nous pas gagné, mes amis. Pour nous prendre en bas mauvais dirigeant. Et c'est méchanceté de la part de l'international, la communauté occidentale, les impérialistes, puis ils continuent à déposer votre féroce sous coup peuple haïtien. C'est méchanceté. Parce que vous connaissez très bien. Il n'y a pas de volonté pour aider Haïti sortir dans sa lié là. Il a connu ça très bien. Il n'y a pas de volonté ça. Il n'y a pas de gagner. Il a connu ça très bien. Il a passé dans bêtise. Il a passé dans rance. Il a pas nous faux promesses. Il a pas nous faux espoirs. Mais il connaît vraiment. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas voulu que Haïti sorti dans sa lié là. Parce que en pile nan yo, yo fait capital économique yo, yo fait capital politique yo. D'ailleurs, il est clair, regardez Donald Trump avec J.D. Vance. Ou bien c'est sur immigrants, c'est que les États-Unis, il a fait campagne électorale yo. Haïti, yo prend situation haïtien, côté que soit haïtien qu'en Haïti, je que y a vivre réalité haïtien et haïtien qui est à l'étranger, je que y a vivre réalité côté aux États-Unis précisément. Et bien, puis yo faire capital politique yo contre peuple ça, contre premier peuple noir indépendant ça, contre peuple ça qui trace l'exemple de l'humanité, contre peuple ça qui montre que à clair que jodiant que Haïti n'a pas gardé là et pas qu'on salteye. Nous t'es un grand peuple et n'a toujours été un grand peuple dans l'histoire, mais nous t'es un grand pays physiquement côté que moun t'a vive, côté moun t'a envie vivre, côté moun t'a voulu vivre, côté que des étrangers t'a voulu rentrer à vivre dans ce pays ça. Mais je dis hein, il aurait résumé Haïti nous hein. En un dépôt 3. Il y a résumé Haïti nous. En un poubelle. Et il mettait nous-mêmes encore face avec l'autre. Et ça a bien fait mal. Ça a bien fait mal. Les que moi-même haïtien pareil moi ou encore quel que soit sa cap vivre en Haïti yo et ça qui à l'étranger yo yo pas comprendre que yo c'est frère et sœur yo doit que même intérêt yo doit approuver pour un seul bagay qui c'est un autre Haïti qui c'est changement Haïti au lieu que c'est ça au fait. Je préfère goumer entre eux. Je préfère bataille entre eux. Je préfère faire ensemble de vie action entre eux. Détruire pays ça. Mettez pays ça dans mauvais état. Pendant cet état ou pas qu'on est que ça fait eux. Action posée eux. C'est dans intérêt. Intérêt de série de groupes. Intérêt l'Occident. Intérêt impérialiste. Intérêt ensemble de organismes internationaux on dit CARICOM, OEA, l'ONU, USAID, le programme alimentaire mondial, c'est dans intérêt yo que n'a travaille. Parce que les que n'accepter mettez Haïti dans crise que lié là. Les que n'accepter mettez Haïti dans dimension pauvreté, dimension misère, dimension insécurité, dimension calamité. Que Haïti a connu là, que Haïti a vive là, je dis,
Fais-moi comprendre l'autre bagaille. Je dis, hein? Dis-moi que, est-ce que même Haïtien pareil, nous, yo? Est-ce que même Haïtien frère, nous, yo? C'est vrai qu'il y a les appels de Dieu, besoin d'Haïti. C'est vrai qu'il y a les appels de Dieu, il y a pas que le pays puisse aller. Mais il n'y a pas posé action qui montre ça. Il n'y a pas posé action qui montre que l'autre Haïti a besoin. Ou imaginons que ou équipement n'a pas passé par la bêtise. Ou équipement femme à garçon. Que nous sommes les autorités. Que nous sommes les dirigeants. Qui a passé par Haïti en bêtise. En bas de ça, ça qui est passé déjà. Et ça qui l'a yo. En bas, j'aime ça toujours. Ça qui est passé déjà, yo, oui. Mettez avec ça qui l'a. En bas, j'aime que. Il y a passé peuple haïtien en bêtise. Il y a passé peuple haïtien en avance. En bas, j'aime ça. Je dis à peuple haïtien, m'a dit non. Je kem toujours dit. Et m'bap jem mouke dil. Ok? Ok. Je kem toujours dil. Et m'bap jem mouke dil. Haïtien prend destin nou en main. Haïtien dans quatre coins d'Haïti. Nord, sud, l'est, l'ouest. Haïtien prend destin en main. Haïtien prend responsabilité nous en main. Haïtien prend. Prend destin nous en main, moi dis. OK? Prend destin nous en main. Ouais, je dis en là. D'ailleurs, toujours dis nous ça. Pays moun pa pays pan. C'est pays pan qui paye pas nous. Et nan comportement, langage, physique, que républicain conservateur, républicain raciste, ok? Républicain conservateur, républicain raciste, je dis en là, gens qui ont réagi, gens qui ont comporté yo, envers immigrants haïtiens, envers immigrants et précisément immigrants haïtiens, ça veut dire qui ça? Koto yé États-Unis qui pas pays ou là, eh bien dit tout que ou pas à l'abri la donne. Ou pas à l'abri la donne. Et meilleur koto ta doué senti ou à l'aise, meilleur koto ta doué senti ou confortable, c'est la caillou en Haïti. OK? OK? Je dis avant de garder ça avec nos amis. Est-ce que nous avons quitté les politiciens à Dokale ça? Craser fin avec Haïti. Non, mes amis, qui ont suivi l'émission, ça la répondre dans les commentaires. Répondre dans les commentaires. Quel que soit Haïtien qui vit en Haïti, Haïtien qui est à l'étranger, nous avons demandé nous, est-ce que nous avons quitté Haïti, nous avons quitté les politiciens? Radio calé politicien traditionnel ça au craser Haïti m'a demandé nous ça. Est-ce qu'il n'a pas quitté au craser Haïti? Est-ce qu'il n'a pas quitté au craser Haïti? Oui. Est-ce qu'il n'a pas quitté au finir avec pays nous? Réponds-moi. Réponds-moi. Est-ce que nous avons quitté au craser pays nous?
c'est n'a qui te fait ça. D'aimer quoi ni. Parce que je dis hein, j'aime moi que quel que soit le TKPT, quel que soit le TKPT, KPT, KPO, salié, hein. Quel que soit le gouvernement qu'on y a dirigé, hein. N'a même demandé nous, est-ce que n'a quitté craser Haïti nous? Et est-ce que n'pas ouais, est-ce n'pas commencer ouais clair tout? Que messieurs dames sayo, messieurs dames sayo, yo pas vinn régler rien sérieux. Et est-ce que n'pa ouais, yo c'est sous bluff yo campé? Est-ce que n'pa ouais c'est discours y a ban pour dormi? Est-ce que n'pa ouais ça? Est-ce que n'pa ouais c'est bel discours, belle parole anesthésie y a ban nous là? Est-ce que n'pa ouais ça? Est-ce qu'elle va voir ça? Il y a un bel discours. Il y a fait de faux promesses. Alors que problème y a toujours été. Problème y a toujours existé. Moun pa ka traverser Matissan. Moun pa ka traverser Canaran. Moun pa ka traverser Bamon Cabrit. Gé de côté, moun pa ka traverser nan et ponson de Pachoual, zone 3 pont, nan Balat Tibonite. Gé ensemble de côté là, c'est de foyer de gang, c'est de groupe gang qui occupent. Moun pa ka fonctionner nan zone sa yo. Est-ce que nous pa wè ça? Est-ce que nous pas ouais ça? Est-ce que nous pas ouais? Est-ce que nous pas ouais? Et je dis à Fondi Bagala Claire. Comme moi Désir Venez tout je dis ça. Les que n'a fait émission nous yo. Nous toujours dit que nous pas marre dans pied étape aucun nèg ici ak fami ici. OK? OK? Nous pas marre dans pied étape aucun femme ak garçon ici. Dans quel que soit secteur, quel que soit groupe que lien, pas marrer dans pied table, pas si monde qui était avec yo. OK? Pas marrer dans pied table yo. Pas si monde qui était avec yo. On comprend? Pas marrer dans pied table yo. Pas si monde qui était avec yo. Ça veut me dire qui ça, ça me dit que quel que soit le TKPT, Conseil présidentiel transition. Et nous songeons très bien. Depuis les causes conseil, ça t'a parlé. Qui j'en moi avec Désir Venez, comment que nous-mêmes, qui te positionne nous. Et comment que nous ensemble de acteurs qui t'a parlé, qui te dit que y'a pas quoi dans cause conseil ça. Y'a pas quoi la donne. Hein? Je te dis, je ne sais pas quoi. Et je te dis, imaginez que. Je te même pour exemple, un cartel municipal avec trois magistrats. Hein? Avec trois magistrats. Je montre aux qui gens que. Ils n'ont pas 40 ans. Il n'y a pas 40 ans, non? Premier membre, deuxième membre, troisième membre.
Il y a pas qu'à entendre. Et puis, qu'il y a pour 9 personnes qui sortent dans 9 horizons différents. Et puis, pral Antonio. Pral Antonio. En plus, mon Dieu, ça a été absurde. OK? 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 Qui le je dis ensemble qu'ils comprennent. C'est garder. C'est garder. C'est fourniger garder. C'est ouais exactement ça qui est capable de faire. Ça qui est capable de faire. Et je dis,